Dans le cadre du projet Datamatrix, nous avions une imposition qui était de marquer nos boîtes en passant du CIP 7 au CIP 13. Donc on est passé du code barre au marquage Datamatrix directement sur la boîte. Et on en a profité en fait pour revoir l'ensemble du parc fond de chaîne chez BMS, puisqu'on avait du vignotage, des sauts sécuritaires, tout ça à contrôler, à éjecter ou à garder quand la boîte est bonne, plus de Datamatrix. Les opérateurs sur le terrain ont été heureux de voir arriver des machines de nouvelle conception qui sont beaucoup plus ergonomiques, plus faciles à nettoyer, un marquage d'encre, de l'informatique. Donc ça a été un bond en avant et c'est simplifier leur travail, éviter des erreurs. Donc ça a été pour eux une aide au travail quotidien. C'était à l'écoute de BMS sur les avancées qu'on voulait voir sur des machines. Ce co-développement nous a permis de pouvoir explorer des nouvelles pistes. Et on a eu des gens extrêmement réactifs et très professionnels. Et on a pu obtenir une machine qui est au-dessus du lot par rapport à sa conception, qui est vraiment faite sur mesure pour la technicité spécifique de notre site. L'objectif principal, c'était de tenir un délai pour installer 25 machines en un an et les mettre en service. Et ZTS a répondu à cette demande, qui était vraiment très très tendue au niveau planning, qui fait qu'il y a eu des hauts, des bas dans les relations, mais on s'en est toujours sorti pour faire de très belles machines.